Bonjour! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau super, super, super excitée de vous parler. Comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, j'ai créé ma boutique de produits dérivés. C'est un projet qui me tenait énormément à cœur. Ça fait des mois, des années que j'ai ça un peu qui me trotte en tête, mais je savais pas trop comment c'était réalisable, en fait, tout simplement. Et ben voilà, je suis beaucoup trop fière et trop heureuse de vous présenter aujourd'hui la boutique de produits dérivés Dressane. Vous pouvez retrouver des sweats, des t-shirts, des débardeurs et des mugs avec des petits dessins, des logos que j'ai entièrement imaginés, créés, dessinés de A à Z. Et à cette occasion, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous avez sur ce projet, sur cette boutique. Alors c'est parti pour une petite FAQ. Pourquoi vouloir ouvrir une boutique de produits dérivés? Il y a plusieurs choses. Donc il y a déjà le fait que moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me plaît énormément. Cet univers de produits dérivés, les vêtements avec des dessins, enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pourrais notamment citer les Eki T-shirts de Sylviane, dont je suis juste complètement fan. Et toute la boutique de produits dérivés de Team Pignata. J'aime vraiment absolument chacune de leurs créations, voilà. Et puis forcément, il y avait aussi le fait que les ânes sont très très peu représentés dans ce genre de boutique de produits dérivés, de vêtements avec des dessins. À part les Eki T-shirts, où là pour le coup on a des designs d'ânes juste trop trop beaux. Pour le reste, tous les vêtements, les produits dérivés sur les thèmes de l'âne, c'était toujours un peu péjoratif. Hein. Quand c'était des designs humoristiques, c'était toujours un peu orienté la carotte qui fait avancer l'âne. Et du coup, ouais, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas plus de design vraiment à notre image, à nous, les âniers qui aimons nos ânes, qui voient l'âne d'une manière beaucoup plus positive que l'image qui est véhiculée traditionnellement. Du coup, voilà, j'ai eu envie de faire des dessins, des petits slogans, des petites phrases humoristiques, mais avec un humour qui ne fait pas de mal aux ânes. Ensuite, pourquoi avoir choisi Utip? Parce que oui, tous mes produits sont sur Utip. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites internet qui permettent de créer des produits dérivés. Moi, j'ai choisi Utip parce que je trouve ce site juste trop chouette. Donc, il permet d'avoir tout ce côté shop, produits dérivés, merchandising. Mais c'est aussi un site qui permet de regrouper tous les réseaux sociaux en une seule page. Et ça, je trouve ça trop trop chouette. C'est-à-dire que si vous allez sur ma page Utip, dont le lien est bien évidemment dans la description, vous pouvez voir absolument tous mes posts, que ce soit mes vidéos YouTube, mes posts Instagram et mes tweets. Du coup, sachez qu'il y a cet endroit-là où vous pouvez juste tout retrouver et je trouve ça trop trop chouette, trop trop bien. Du coup, voilà, je trouvais ça chouette de passer par Utip. Combien de temps pour créer tout ça, de l'idée de départ à maintenant? Alors, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchissais déjà depuis plusieurs années. Mais j'ai commencé vraiment à me pencher dessus à fond, à commencer les premiers croquis sur papier, à chercher des idées en février, vers le 15-16 février, quelque chose comme ça. Soit j'avais des idées de jeux de mots qui venaient, soit je me disais « Ah, ce serait sympa de faire peut-être un design un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. » Voilà. Du coup, à peu près un mois et demi, le temps de trouver les idées, de tout dessiner, de tout configurer sur le site. Voilà. Ensuite, vous avez posé pas mal de questions sur l'origine des produits. Donc d'où viennent les matières premières, où sont-ils produits? La fabrication des vêtements, les matières premières viennent d'Asie. Et ensuite le flocage, donc la réalisation du motif sur le tissu est fait en France. Les textiles sont-ils bio ou éco-friendly? Pour le moment non, pour avoir plus de choix au niveau des couleurs de tissu. Cependant, sachez qu'il existe une gamme organique sur Utip. Sachez que si ça vous intéresse, il n'est pas impossible qu'à l'avenir il y ait une gamme organique, donc en coton bio. Est-ce possible de les laver en machine? Tout à fait. Ensuite, une question qui est revenue plusieurs fois. Peut-on commander plusieurs produits? Et malheureusement, pour le moment, la réponse est non. Mais j'insiste vraiment sur le « pour le moment » parce que il est normalement prévu que cette fonctionnalité arrive d'ici le prochain trimestre. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant parce que je vais pas vous mentir, je suis la première à attendre cette mise à jour. Peut-on renvoyer un vêtement si la taille ne va pas? La réponse est non. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de stock de vêtements, ils sont vraiment réalisés sur commande en fait. Mettons par exemple que vous voulez commander un débardeur orange Mulan, voilà, à ce moment-là vous passez commande et c'est à ce moment-là seulement que le t-shirt est réalisé. Comme chaque produit est réalisé sur commande, il n'est pas possible de les renvoyer. Cependant, je vous ai mis dans la description un petit guide détail pour que normalement avec ça vous n'ayez pas trop de problèmes à trouver la taille qui vous correspondra. Et enfin, dernière question d'actualité,
peut-on commander pendant le confinement? Il faut savoir que moi, je ne gère pas du tout tout ce qui est traitement des commandes, envoi des commandes. C'est vraiment la plateforme Utip qui gère tout ça. Et du coup, pour le moment, rien n'indique que les livraisons ne seront pas effectuées. Si j'apprends que la situation évolue, bien évidemment, je vous tiendrai informée. Mais non, normalement, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez totalement commander dès à présent. Et voilà! J'espère que tous ces produits vous plaisent. Bien évidemment, vous pouvez retrouver le lien de mon shop Utip dans la description. Et surtout, surtout, si vous commandez des produits, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit en message privé ou alors en les postant sur les réseaux sociaux avec le hashtag DressAndMerch. Comme ça, moi je pourrai les voir et ça me fera trop plaisir de pouvoir voir mes vêtements portés, mes mugs utilisés. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.